un petit peu de bonheur juste avant d'écouter ce morceau qui parle de Karl et qui parle aussi de voilà d'enfants qui partent un peu trop tôt. On se prend souvent la tête sur des petits trucs futiles, mais voilà, dans les hôpitaux il y a plein d'enfants qu'on salue, qui nous écoutent d'ailleurs peut-être ce soir. Ce morceau est pour vous en vous demandant voilà, de vous accrocher. C'est dur, il y en a qui partent et puis d'autres aussi qui sont là, qui restent, qui résistent. Bah voilà, cette chanson c'est aussi une chanson d'espoir, on l'écoute maintenant. Merci à DJ Rice pour cette super prod. Darkness, Quantize Record. C'est à la mémoire de Karl. J'espère que toute sa famille m'écoute. C'est Fouini Bay. Banlieue sale. La première fois que j'ai rencontré Karl, il était triste, allongé sur son lit d'hôpital. Il connaissait mes albums par cœur, il me répétait Fouini Baby, je t'ai dans le cœur. Quand la nuit tombe et que les infirmières ferment la porte, je mets mon casque et toutes tes musiques me transportent. Ma famille habite à 500 km d'ici, donc le soir je m'ennuie, la chimio comme ami. Je suis trop content de t'avoir rencontré, on peut faire une partie de console s'il te plaît. On a joué ensemble toute la journée, les manettes étaient sans fil, mais ses bras étaient branchés. Et j'imaginais ma fille à sa place, mal-être, les larmes coulaient sur le long de la manette. J'étais qu'un con, mais ce jour-là j'ai compris, j'étais venu faire quelques photos et je me suis fait un ami. Cette nuit, je pars, maman s'est promis, je n'ai plus peur du noir. Papa, je t'en prie, ne pleure pas, elle reprend la vie. La dernière fois où j'ai revu Karl, il était toujours allongé sur son lit d'hôpital. Il y avait son père à son chevet, la console éteinte, il n'avait plus la force de jouer. J'ai compris un peu trop tard que c'était bientôt fini. Je le serrais dans mes bras, triste à l'infini. Il était dans les vapes, j'essayais de lui parler. Plus il souriait et plus moi je pleurais. Il m'a dit rapproche-toi, j'ai quelque chose à te dire. Il me chuchota, j'ai peur, j'ai pas envie de partir. Reste auprès de moi, encore juste un peu. T'as sûrement des trucs à faire, mais reste juste un peu. Et j'imaginais ma fille à sa place, mal-être, des infirmières à la place des mal-être. J'étais qu'un con ce jour-là, j'ai compris. J'étais venu faire quelques photos et je me suis fait un ami. Cette nuit, je pars. Maman s'est promis, je n'ai plus peur du noir. Papa, je t'en prie, ne pleure pas. Je me prends ma vie, mais pas notre histoire. Une nuit d'été, mon téléphone sonna, c'était son père. Il m'a dit Karl est parti. À l'âge on a la vie devant soi. Il avait 16 ans et demi. Je me suis senti ridicule pour ces fois où je me plaignais. Pour une chemise froissée, un téléphone rayé. À la base c'était des photos que j'étais venu faire, loin d'imaginer un autre petit frère. Cette nuit, je pars. Maman s'est promis, je n'ai plus peur du noir. Papa, je t'en prie, ne pleure pas, elle me prend la vie, mais pas notre histoire. Yeah. À tous les Karl, à tous ceux qui traversent des moments difficiles, message d'espoir, chanson simple pour des gens simples, de cœur à cœur. Fouini Babe, c'est ça. On était censé chanter une autre chanson, mais je pense qu'on va s'arrêter la battle. On chantera un truc un peu plus joyeux demain. On va s'arrêter sur ce message à Karl, message à toute sa famille, message à tous ceux qui souffrent. On est avec vous, le temps d'une chanson, le temps d'un concert. Fouini Babe. Voilà. En live à l'instant, morceau pour Karl. Et on souhaite...